Bah, bonjour Vincent. Bonjour mes amis, bienvenue au Grand Logis. Donc moi c'est donc effectivement Vincent, donc je suis président de l'association historique de Saint-Gobain. Alors une petite question qu'il faut toujours poser, est-ce que toi tu as déjà eu des phénomènes paranormaux relatés ici dans cet endroit? Absolument aucun à ma connaissance. Il est évident que ce bâtiment a plein d'histoires, il s'est passé des choses diverses et variées dans ces lieux. Ce bâtiment a été réhabilité à la fin du XVIIe siècle sur une bâtisse du XVe, mais aussi sur les vestiges du château fort de Saint-Gobain qui en fait a été arasé et enseveli pour l'installation de la manufacture royale des glaces. Ensuite, il a été de nouveau réhabilité et agrandi au XVIIIe et au XIXe siècle. Merci. Bon, ce soir, on va enquêter dans un bâtiment qui s'appelle le Grand Logis. En fonction de l'enquête, vous allez jusqu'à vos limites. Même pour 100 000 euros, je dormirai pas ici. Oh, c'est quoi ça? Quoi? Putain, je vais passer. Quoi?